Si y est-il une page qui se tourne. Sur son compte Twitter, Moonedir, ancien aventurier emblématique de Koh-Lanta, a surpris ses fans en opérant un changement de look drastique et, le moins que l'on puisse dire, si y est-il qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Si y est-il la fin d'une ère capillaire que tout le monde a connue. Moonedir, candidat mythique de la saison 3 de Koh-Lanta, a décidé, ce samedi 10 juin 2023, de couper la longue chevelure qu'il arborait depuis des années maintenant. Une décision pas très compliquée à prendre étant donné que celui qui est devenu animateur télé par la suite commençait visiblement à en avoir marre de devoir entretenir sa tignasse. Si est-il donc avec un sourire non dissimulé que le papa de Alia, né en 2015, Ali, né en 2019, et Aya, né en 2020, s'est emparé de son compte Twitter pour annoncer ce grand changement à ses abonnés. Voilà, les cheveux longs, si est-il fini. Depuis 2003 je vous porte sur mon crâne, on aura quand même vécu des super aventures. A-t-il écrit avec beaucoup d'humour en légende d'une courte vidéo sur laquelle on peut le voir assis dans un siège, aux mains d'un coiffeur. Tout sourire, l'ancien aventurier ne semble pas du tout inquiet de quitter cette mythique coiffure avec laquelle il s'est fait connaître. Bon les copains, si est-il parti. J'ai les cheveux longs depuis 2003, lors de mon premier Koh-Lanta. Mais si est-il un ras-le-bol maintenant, donc on change. Tu peux y aller, lance-t-il à son coiffeur alors que celui-ci tient sa queue de cheval entre ses lames de ciseaux. En trois coups de ciseaux à peine l'affaire est réglée. Adieu les cheveux longs, Moonedir est officiellement un autre homme. Ça y est, on n'en parle plus, lance-t-il alors que le professionnel lui propose de récupérer sa queue de cheval. Quelques heures plus tard, celui qui est devenu célèbre grâce à ses nombreuses répliques cultes a posté une vidéo dévoilant le résultat de cette séquence relooking. Fini la queue de cheval basse, Moonedir porte désormais un joli dégradé. Sur le haut de son crâne, ses cheveux courts sont toujours bouclés et ont été soigneusement gominés par le coiffeur. Un changement radical qui partage visiblement beaucoup ses fans. En effet, ils sont nombreux à adorer mais sont aussi très nombreux à préférer l'ancien Moonedir. Choqué, il va falloir qu'on s'habitue. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu vas laisser repousser? Ça te va trop bien, ça te rajeunit de 10 ans, un rien t'habille, très bonne décision, peut-on notamment lire parmi les commentaires les plus likés. Mais Moonedir se sent mieux les cheveux courts et s'y estime bien là l'essentiel. Step up.